Yo la Flow Family, comment ça va? On est sur le cinquième jour de un jour, une vidéo, et je vais te donner pour moi les avantages de faire ce défi-là. Il y a vraiment des avantages de faire le défi d'un jour, une vidéo, et je vais te donner pour l'instant, même au cinquième jour, j'ai déjà remarqué qu'il y a pas mal d'avantages. Alors évidemment, je vais te donner les avantages qui me concernent, d'accord? C'est des points de vue uniquement personnels. Je rappelle, j'ai un TDAH, donc j'ai vu des améliorations par rapport à mon trouble que le faire un jour, une vidéo m'apporte un point positif. Je vais te les exposer et je ne dis pas que ça fonctionne pour tout le monde. Je dis juste que dans mon cas, voilà les effets positifs. Alors, premier avantage que je vois à faire une vidéo par jour, c'est que ça me force à améliorer ma rigueur. Je suis quelqu'un de rigoureux de base, mais là, pour le coup, ça me donne une rigueur en plus en termes de fonctionnalité. Alors, comme je fais de la vidéo et créateur de contenu, j'avais tendance à stagner parce que j'avais trop d'idées en tête et j'avais tellement d'idées que je ne savais pas quoi faire. Okay, je ne savais pas comment les mettre en place. J'ai toujours plein de scénarios, mais moi, ce qui me bloque, c'est la mise en scène. Par contre, le fait de faire une journée et de prendre une vidéo et de la tourner pendant toute la journée, des petites séquences comme je fais là, ben, tu vas voir que petit à petit, je développe une mise en scène et une manière de mieux scénariser mes idées. Et ça me décharge aussi, parce que je suis TDAH, ça me décharge aussi d'une anxiété, je ne vais pas dire anxiété parce que le mot est trop grand, mais d'un surplus de réflexion mentale. Je suis toujours en train de réfléchir à des vidéos, toujours en train de réfléchir à des styles, des idées, des trucs. Est-ce que je peux? Mais je ne passe pas à l'action, j'ai du mal à passer à l'action. Mais là, du fait que je peux passer à l'action, ça peut me permettre d'avoir des images pour tester des colorimétries différentes, des points de vue différents. Je teste mes micros, je les teste à l'extérieur comme on fait là en ce moment même. Tu vois, ça me permet de mieux tester mon matériel. Je n'ai pas vraiment pas besoin d'attendre d'être sur un événement pour la veille commencer à tester pour pouvoir l'utiliser. Là, je suis en mode test. Donc là, franchement, c'est ce que je trouve qui est stylé. Je suis le seul véhicule sur le parking et malgré ça, t'as quand même quelqu'un qui arrive à venir se garer à côté de moi. On est dimanche, les mecs. On est dimanche, les frères. Je viens pour faire ma lessive, pour tester un truc, faire de la lessive et tout. Regardez la grandeur du parking, les frères. Le gars, il vient se garer à côté de moi. Mais c'est incroyable, ça. Mais c'est quel genre de... Et vous savez pas à quel point je suis vénère, là. Je suis vraiment le genre de mec qui attire la foule, qui attire les gens. Franchement, les gars, il n'y avait personne sur le parking. Un parking vide. Et là, ça fait 3 ans que je suis ici. Ah, lessive assouplissant inclus. Oh, mais c'est trop bien ça. Donc du coup, j'ai pas besoin... J'ai pris ça pour rien, j'ai pas besoin d'avoir... Bon allez, comment ça fonctionne? Mettez votre linge dans la machine choisie. N'ajoutez pas de lessive, nanana, fermez la porte. Programmez votre cycle, l'écran tactile, ou c'est ça, nanana. Ok. Alors, bien évidemment, je ne savais pas quoi faire en attendant que ma machine se mette à tourner et tout. Donc, on en a pour une vingtaine de minutes, ce que je trouve qui est cool. C'est pas si mal. Donc, pendant les 20 minutes qui me restent, je pense que je vais passer l'aspirateur dans la voiture. J'ai prévu de nettoyer la voiture, passer l'aspirateur, m'occuper quoi. Et en même temps, je te fais ce petit débrief sur un jour, une vidéo. Les avantages. Alors, un autre avantage de faire ce un jour, une vidéo, ça va t'aider grandement à améliorer ta manière de filmer. Mais vraiment, c'est pas des blagues. En fait, je croyais pas à ça, cette histoire de un jour, une vidéo, j'y croyais pas. Mais comme tu es constant, t'es constant, tu vois, tu filmes souvent, ça te fait avoir de la rigueur aussi. Mais il y a un truc que je vois que ça a débloqué chez moi, c'est l'aisance. Et ça m'a permis de l'aisance devant la caméra, de filmer et tout. Et ça m'a permis de récupérer ça que j'avais au départ, avant ma dépression, que j'avais de manière très facile. C'est facile. Moi, filmer, prendre une caméra, filmer dehors, moi, ça me dérangeait pas. Mais voilà, depuis dépression après et compagnie, ça a été un peu difficile. Mais là, en 3 jours, les gars, ça m'a aidé. 3 jours, ça a suffi. Franchement, je suis débloqué. J'ai redébloqué une fonction que j'avais perdue, qui est de prendre ma caméra, de filmer et de parler, même si en mode on s'en fout en fait, tu vois. Ce je m'en foutisme que j'avais, qui faisait ma force, ben, je l'ai récupéré parce que
tu vois, le truc, c'est que le premier jour, c'est compliqué. Tu sais pas quoi filmer, tu sais pas comment parler, tu vas te dire est-ce que ça va plaire aux gens, tu vois, t'es dans le doute, t'es dans l'interrogation, c'est normal, c'est humain. Le deuxième jour, tu as un peu plus de motivation parce que t'as vu, voilà, t'as réussi à le faire une première fois et tout ça. Le troisième jour, il est chaud. Le troisième jour, il est chaud parce que là, t'es vraiment dans le doute. Tu te dis, est-ce que ma vidéo va vraiment plaire? T'as plus rien limite à raconter parce que voilà, on a peut-être pas tous une vie de ouf, hein. Faut le dire, on n'a pas tous une vidéo, tu vois, moi je te le montre, hein, je suis pas le mec qui a la vie la plus palpitante, la fête everyday, compagnie, tu vois, t'as compris, je voulais dire compris et capté en même temps, donc c'est pour ça que ma langue a fourché, tu vois, c'est parce que mon cerveau il tourne, il débite et débite, mon cerveau tourne plus vite que je suis capable de sortir les mots, est-ce que tu captes le truc ou pas, ça c'est overthinking. Ça, c'est la surcharge et ça, c'est le côté hyperactivité du TDAH. C'est que mon cerveau, pendant que je suis en train de te parler là, il est en train de réfléchir sur plein de choses en même temps. C'est un délire. Bref, mais ce qui est bien, c'est qu'à partir de la vidéo de là aujourd'hui, je pense que tu as carrément vu la différence. C'est ça débloque un truc et je suis beaucoup plus à l'aise maintenant. Parce que là, tu vois, en d'autres termes, je t'aurais fait la vidéo en t'expliquant ce que je fais là. Mais tu vois ce que je fais. Je t'ai dit, je vais nettoyer ma voiture. Donc, j'ai pas besoin de t'expliquer, histoire d'aspirateur. Non, tu vois, je peux échanger avec toi en même temps parce que, voilà, je suis totalement free et tranquille sur le concept. C'est vraiment génial, en fait. Et franchement, je kiffe. Et je pense que je vais pas m'arrêter. Tant que je pourrais te faire une vidéo par jour, je le ferai. Tout comme ma machine à laver qui est en train de tourner. Bon, allez, c'est parti. Let's clean the car. Bon les gars, la vidéo n'est pas du tout sponsorisée, mais vraiment pas. Mais ce petit aspirateur que j'ai acheté chez Action, franchement, il fait l'affaire. Il fait l'affaire, il se branche sur l'allume-cigare. Il fonctionne très bien, il vient avec des petits accessoires qui ne sont pas dégueulasses. La petite brosse là, elle fonctionne de ouf. Franchement, ça fait vraiment l'affaire. Donc si vous cherchez un petit aspirateur pour aspirer votre voiture, vous mettez ça dans votre voiture, dans le coffre, à l'arrière. Ça se branche sur l'allume-cigare. Et ça fonctionne parfaitement. Alors, il y a un autre point que ça m'a permis de débloquer. En passant, je te fais une autre... Ce n'est pas du placement de produit, les gars. C'est pour ceux qui me connaissent, vous savez, moi, j'avais tendance tous les vendredis, ma voiture, elle est nettoyée, elle est propre. Donc, j'ai utilisé énormément de produits. Et donc, j'ai testé énormément de produits sur le marché. Donc, en termes de produits d'entretien, je suis rodé maintenant. Et je suis en train de tester ça de chez Dunlop, que j'ai toujours acheté chez Action, OK ? Toujours chez Action que je l'ai eu. Franchement, ça fait le taf. Si tu as besoin de quelque chose de rapide pour nettoyer une tache, que ce soit une tache d'huile que tu avais sur tes mains parce que voilà, tu as été dans le moteur et tout. Franchement, ça fait vraiment bien le taf. Ça laisse pas de traces blanches, tu vois. C'est ça que je déteste avec certains produits là. Parce que quand tu passes, ça laisse des traces blanches. Donc moi, je commence avec ça. Ça permet de nettoyer, d'enlever le surplus, graisse, tache, machin, tout ça. Et pour le côté brillant, après, j'utilise un autre produit que je vais te montrer. Mais bon, qu'est-ce que je te disais? Ah ouais, je te disais que quelque chose que ça m'a permis de débloquer aussi, le fait de faire ce challenge d'une vidéo par jour, c'est que ça m'a permis de débloquer un truc que j'appelle... Bon, j'ai pas encore de nom. Mais c'est un... Tu vois, quand tu es quelque part et que les gens te regardent parce que tu fais quelque chose, un exemple tout simple. Tu es là, tu vas faire ta manœuvre, tu vas faire ta marche arrière, et il y a une voiture qui arrive. Tu fais ta marche arrière, mais le gars, il te fixe. En fait, les gens, ils te regardent. Mais fais ta vie, mon gars. Je suis là, je fais ma marche arrière tranquille, et le gars, il me regarde. Alors qu'il a de la place pour passer, mais il s'arrête pour me regarder. Alors, je ne sais pas, peut-être que je faisais une bête de marche arrière. Peut-être que la manœuvre que je faisais, il n'avait jamais vu quelqu'un faire une manœuvre comme ça sur une Picasso. Je ne sais pas. Mais le gars, il me regarde en mode... Mais faites votre vie. Un autre truc, j'arrive pour faire l'essence, je m'arrête. Le truc, il ne fonctionne pas. Donc, je vais à l'intérieur et je vois que la personne qui est derrière moi est agacée. Et elle montre qu'elle est agacée et elle veut me le montrer. Mais je m'en bats les steaks de ton agacement. Je ne m'occupe pas de tes ressentis. Moi, je m'en fous. Donc j'avance, je fais ce que j'ai à faire. Et le problème, c'est que si vous regardez trop souvent à ce que les gens font et vous interréagissez avec cela, vous récupérez leur ressenti. Par exemple, tu vois le gars là-bas, il est en train de faire son truc. Moi, je suis en train de parler devant ma caméra. Il regarde vers moi. Il voit une caméra, il voit un noir là. Je précise noir, vous savez très bien pourquoi. Alors, il est en train de me regarder.
Et au lieu de continuer à faire ce qu'il a à faire, il me regarde. Je ne vais pas l'empêcher de me regarder, il a le droit. Mais moi, je ne vais pas chercher à savoir pourquoi il me regarde. Je continue à faire mes affaires, je continue à discuter avec toi, vers la caméra, tu vois. Et ça, il y a un temps, je te promets, j'aurais arrêté de parler. J'aurais arrêté de parler, j'aurais éteint la caméra et j'aurais pas continué de parler. Mais là, je m'en fous. J'ai récupéré. Ah, je suis tellement content de l'avoir récupéré, les gars, si vous pouvez savoir. Ce truc que j'ai là, de m'en foutre, en fait. C'est pas que je m'en fous des gens, mais c'est du ressenti général, global, qui n'est basé sur aucun fait, à part sur ce que tu vois et sur une incompréhension de ta part. En d'autres termes, un préjugé. Tu vois, je m'en fous de vos préjugés, en gros. Donc maintenant, je suis capable de prendre ma caméra, me mettre à filmer parce que je sais ce que je fais. Toi, tu ne sais pas ce que je fais. Donc tu me regardes, tu fais un préjugé. Si tu veux enlever ce préjugé-là, il te reste une seule chose à faire, c'est venir me voir. Si tu ne me vois pas, garde ton préjugé pour toi, j'en ai rien à faire. Et je ne vais pas prendre le ressenti de ton préjugé, tu vois, en mode « ouais, il m'a regardé mal, comment ça, il me regarde mal et tout ». Non, je suis content, je reste dans le présent, je suis content de faire ma vidéo et de vous présenter ce petit programme-là que je fais avec vous. Bon, alors, j'espère que le son, il est bon, hein, parce que je vous ai dit, je suis en train de tester les micros, là. Là, il a énormément de vent. Je suis en train de tester le Boya avec la Dead Cat dessus. J'espère que le son, il est bon. Tout à l'heure, j'avais testé la Boya, mais j'avais testé, tu connais, les micros, et la Valière, le micro-cravate, mais hors Bluetooth, là. Donc, je pense que tu as dû voir la différence. La machine est toujours en train de tourner, là, elle fait des tours de ouf. Donc, moi, je vais continuer à nettoyer. Alors, ça, c'est le produit que je te disais que je vais, que j'ajoute avec. Tu vois, c'est ça, c'est cockpit spray. D'accord. Bon, ça c'est simple d'utilisation, les gars. Tu le vaporises partout sur ton truc, tu peux vraiment le mettre partout. Ça glisse pas, en fait. Tu vois, je le mets sur le volant, mais tu crois que ça va glisser. Mais en fait, non, ça glisse pas du tout. Donc, c'est pour ça que moi je peux le mettre vraiment partout. Il nettoie et ça fait briller. Et franchement, c'est cool. Belle petite odeur. Pareil, hein. Acheté chez Action, les gars. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Mais tranquille, hein. Voilà. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait que faire une vidéo par jour, ça m'a permis de me détacher du regard des autres, mais plutôt du ressenti des autres. Ben là, voilà, ben, ça n'a pas loupé. Je te fais le truc en simple. T'as un couple de vieux qui s'arrêtent, qui regardent vers la machine, qui voient que la machine est utilisée du coup. Donc moi, je suis le plus proche, donc c'est normal. Qu'il baisse la vitre, il regarde vers moi, il me fait « Est-ce que c'est vous qui utilisez la machine ?» Donc moi, je lui dis « Ouais, ouais, c'est moi qui utilise la machine. » Et donc, du coup, ensuite, la meuf, elle regarde vers mon coffre. En fait, la caméra était vers le coffre. Donc, elle regarde vers le coffre et elle dit quelque chose. Mais j'entends pas ce qu'elle dit. Parce qu'entre-temps, elle a remonté la vitre. Attends, il y a un peu de lumière qui... Donc, elle dit quelque chose au mec. Donc, le gars, il rebaisse la vitre. Et donc, du coup, moi, je continue à faire mes affaires. Normal. Mais attends, je te connais pas. Donc, je continue à faire mes affaires. Même si j'ai vu qu'il a baissé la vitre, je vais pas m'arrêter pour te regarder. Tu baisses ta vitre. T'as le droit de baisser ta vitre. Je vais pas arrêter ma vie parce que t'as baissé ta vitre. Donc, moi, je continue à faire mon truc, je nettoie et tout. Et comme il voit que j'ai pas d'interaction parce qu'il a baissé sa vitre et qu'il est toujours là à attendre à côté de moi, moi, je continue mes affaires. Il descend. Il descend de sa voiture et il vient vers moi. Donc là, tu rentres dans mon espace, même si je suis sur un lieu public, mais mon espace, j'ai quand même pris cet espace-là. Donc là, je m'arrête, je le regarde, mais je dis rien, juste je le regarde. Et il me fait « Vous faites quoi, là ?» Ah, tu es tombé sur le mauvais jour. Et là, ma malveillance, elle s'est activée. Je lui dis « Mais sous quels critères vous permettez de me poser cette question ?» Il était en mode « Waouh !» Il s'attendait pas à autant de vocabulaire déjà et à autant de français, je pense. Je lui redis du coup « Sous quels critères ?» Vous vous permettez de me poser cette question de qu'est-ce que je fais sur un espace public, dans mon véhicule.
il était tellement choc-barre de ce que je venais de lui dire qu'il a fait ben, je vois que vous avez une caméra. Les gars, je vous ai dit, malveillance activée. J'ai une caméra et je porte aussi un slip. J'ai aussi une casquette et des lunettes. Et là, j'avais pas envie d'être gentil. Il y a des fois, faut pas être, tu peux pas être gentil avec ce genre d'approche. Qu'est-ce qui te fait sortir de ton espace, de venir dans le mien et me poser cette question-là? Tu te prends pour qui pour me poser cette question-là? Et je vous dis, c'est un Gaulois. Donc, il voit un noir là, avec la caméra, il me demande qu'est-ce que je fais. Et il continue. Hein. Oui, mais vous avez une caméra. Et moi, je lui fais du coup. J'ai d'autres possessions. J'ai des biens. J'ai des terrains. Vous voulez encore... Tu veux quoi, en vrai? Il continue, il reste là, il reste planté là. Mais je ne lui donne pas l'opportunité de l'aller plus loin. Donc, je me détourne de lui et je continue à faire mes affaires. Tellement que je me lève. Parce que c'était côté passager, tu vois. Donc, je me lève et comme il était... J'étais côté conducteur et lui, il était côté passager, du coup. Et je ferme la porte. Oh purée. Et vous voyez, c'est incroyable en fait. Et franchement, ça aurait été quelques temps avant, je pense pas que j'aurais pris la liberté de répondre ainsi. Mais du fait que je commence à récupérer petit à petit, je vais pas dire mon franc-parler, je vais juste dire mon détachement émotionnel. Et vous allez me dire pourquoi je parle d'émotion, parce que c'est exactement sur ce genre de terrain qu'on peut partir très rapidement en vrille. Je l'ai juste... Alors là, je vous ai fait avec la voix, machin et tout, mais je l'ai répondu calmement, simplement. Mais il ne s'attendait pas du tout à cette réponse-là. Et donc, du coup, il repart vers sa voiture. Donc, moi, j'ai fermé ma porte, machin et tout, et je suis vers mon coffre. Oui, parce que l'histoire ne s'arrête pas. Et il revient. Donc, je pense que c'est la mégère là, qui a dû lui parler dans la tête. Et il revient et il me dit, vous en avez pour combien de temps? Je lui ai répondu, jusqu'à ce que Jésus revienne. Et là, il a dû se dire, non, lui, il doit être fou. Il est juste parti, il est botté dans sa voiture et il est parti. Oh, la malveillance, les gars. Oh, la malveillance. Non, c'est chaud, c'est chaud. Eh ben, les gens, vous comprenez pas. Hein. C'est abusé. C'est abusé. Laissez, vivez, en fait. Vivez votre vie. Vivez votre vie. C'est aussi simple que ça. T'arrives, tu veux utiliser la machine, tu vois qu'elle est occupée, tu me demandes, voilà, c'est vous qui l'utilisez, je te dis oui. Vous en avez pour combien de temps? Ben, je pense pas, je sais pas, peut-être 15-20 minutes, ça dépend de la machine et tout, je viens de la lancer et tout, voilà. Bon ben, ok, ben bonne journée, voilà, y a pas de souci. Mais qu'est-ce que tu viens? Ouais, vous faites quoi là? Oh purée, et ça m'a... Et mon sang, il est monté d'un coup, les gars. Il est monté d'un coup. Si t'es du style petit budget, tu cherches un casque, ok? Je te conseille cela aussi. Non, hey, vous allez croire que je fais vraiment du placement de produits, mais ce n'est pas le cas, les gars. C'est juste que chez Action, il y a pas mal de choses. Donc, ce petit casque-là, franchement, il n'est pas solide de ouf, tu vois. Il n'est pas solide de ouf, mais la marque, c'est Roseland. Roseland, tu vois. Mais franchement, ça fait le taf. Moi, je suis du genre à... Je ne peux pas sortir sans musique. Je ne peux pas sortir sans musique parce que ça m'aide à mieux gérer l'extérieur, ok? C'est pas que je m'enferme, je l'ai déjà expliqué plein de fois, mais je le redis pour ceux qui sont nouveaux. C'est pas que je m'enferme, mais ça me permet de canaliser mes idées et de rester focus sur ce que j'ai à faire et de ne pas m'éparpiller avec les émotions et les ressentis de tout ce qu'il y a autour de moi. Par exemple, je pars juste un truc, je pars faire des courses, tu vas avoir un gosse qui va se mettre à crier, ça va me déstabiliser. Je peux pas vous expliquer pourquoi ça va me déstabiliser. Et je vais vouloir trouver une solution. Pourquoi l'enfant il pleure? Qu'est-ce que je peux... Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, sur la tête, le Bluetooth fonctionne très bien. Je peux même l'utiliser avec ma télé. Ce qui est bien, c'est que je peux la connecter à ma télé. Qui fait que je peux regarder très tard le soir mes émissions, mes documentaires, sans avoir besoin de déranger la famille. Ça, c'est super bien. Donc je vous conseille, si vous avez des enfants et compagnie, regardez vos séries à la télé, machin et tout, avec votre casque comme ça. Vous êtes bien immersé, en immersion dans votre moment. Vous ne serez pas dérangé, vous n'allez pas déranger les autres autour de vous. Voilà. Bon, j'attends juste que ça se termine. Hein. J'attends juste que la machine se termine et après, j'aurai fini. Il suffira de rentrer à la maison et de plier ça et de ranger tout ça. Mais vraiment, je suis vraiment content de ces un jour, une vidéo. Franchement, ça me fait vraiment du bien. Je suis en train de me retrouver petit à petit. C'est vraiment agréable.
je tente des choses, je tente des colorimétries, j'apprends à mieux gérer le logiciel DaVinci, j'apprends à mieux gérer mon image extérieure, ok. J'ai confiance en l'image que j'ai, j'ai confiance en la personne que je suis, mais je parle plus de mon image extérieure par rapport à comment les autres me regardent et à me détacher de ce qu'ils peuvent penser. Voilà, dans la team, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous donne rendez-vous demain pour la suite des aventures sur Un jour, une vidéo. N'hésite pas à t'abonner, partager, mettre un commentaire, ça me fait vraiment plaisir. Et ben voilà, on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Allez, ciao!